deuxième pack pour nous ce matin, donc à Horstadt en Allemagne. On a le DF7 Yikong, full stock. Regardez les fans de Ray et de UDR, la direction d'origine. Regarde ça. Vas-y, roule dessus sur le capot, tu vas voir la direction de ton tour. Tu vas y arriver ou tu vas pousser, non? Regarde. Regarde, ça tourne encore. C'est d'origine. Non mais ça, Traxxas de toute façon, eux c'est les pires. Le UDR c'est le pire sur la direction. Le sauve-cerveau complètement détendu, cerveau de 9 kg. T'es trop court de nouveau. Mais oui, je suis trop court, ça c'est toute ma vie ça. Eh mais j'ai pas dit monte dessus, j'ai dit remets-le sur les roues. On se marche. Voilà. Et ça c'est l'autre différence entre Yikong, Lozi et Traxxas. C'est que, regarde, j'ai pris le trottoir frontal, c'est pas la première fois. Hein. Regarde, ma carreau est toujours entière. Regarde, le pare-choc est entier, la barre stab a pas bougé, j'ai tout. UDR, c'était pare-choc, barre stab et carrosserie. Et sur le Lozi, c'est châssis knucket. Bon, on refait la même, mais je tourne plus loin cette fois. Je sais pas pourquoi je tourne aussi court. Oh, oh. Ah, il y a de quoi faire du ovale infernal ici. Hein. Mais va falloir se concentrer un petit peu. Hein. Oh, ah, j'ai mis la marche arrière direct. Oh, oh la vache, salopard. Mais eh, regarde, et ça se renverse pas non plus, hein, même sur le goudron. Hein. Comment ça, c'est mouillé. Regarde ça. Et ce goudron, il glisse à mort. C'est une patinoire. T'as vu, ça tourne tellement que ça me fait soupirer. Ça glisse tellement. Là, je tourne à fond. Ah si, quand même. Eh, c'est fou, ça. Ouais, j'espère qu'il va être moins glissant au bout d'un moment ce goudron, parce que là, regarde ça. Avec le petit bruit, waouh. Il faut qu'on la refasse. Je vais la refaire. Je vais passer devant moi et je vais le faire devant moi. Je vais me pécer avec la caméra. Hein. T'as le bruit des pneus. Merci. Ah. Là on est bien parce qu'en plus là c'est bien dégueu le goudron. Donc là ça va être chouette. Je me méfie quand t'arrives en sens inverse maintenant. Comme tu vises à 5 mètres près. Ah, on va essayer le petit saut en douceur avec lui aussi. Propre. J'ai les rampes avec, je me suis dit au cas où c'est trop, tu sais, on mettra les rampes en sens inverse, comme ça on peut faire aller-retour. Oh l'eau, tu sais. Bon, ouais, des cailloux sur le capot. Sérieux. Et même moi, à chaque fois, hein, toi aussi. Il n'y avait pas que moi ce coup-là. Ah, ça, c'était un peu limite. Je suis arrivé un peu vite, là. Mais c'est fou qu'il est glissant comme ça. Ah mais attention, c'est du gros grain en plus hein. Je sais pas si on va réellement avoir du grip un jour sur ce terrain. Si. Ah merde, c'est pas le XRT. Bah justement pour pas que ça soit violent pour lui. Eh, hey, j'ai senti un truc près de ma cheville là. C'est une illusion, c'est une illusion.
Ah, regarde là comment on va être bien pour avec les rallyes là. Là pour finir les vieux pneus ici, on va être bien. Ah, le pied. Ouais, une flacounette. Ça va aller, vu dans l'état dans lequel il est. Il y a qui va coller dessus maintenant. Tu crois que ça va se voir? Pardon. Dans l'état où il était. On dirait que tu l'as planté dans le ciment. Ça aussi, caillou là avec le UDR, c'est fini, bar stop, capote. Je lui en veux cette pierre, hein. Ça fait trop fois que je roule dessus. Oh, yo. Là j'ai mis le moteur Castel dedans pour tester le 49-85. Pas pour les perfs, je suis toujours en 6 tu vois. Mais on va voir par rapport au 74 en 1006 niveau chauffe. Et comme il est en 1200, j'ai pu mettre un pignon plus gros, c'est pour ça qu'il est plus silencieux. Ça c'est vraiment, ça c'est le truc chiant sorti de la boîte, c'est comme la couronne elle est en acier trempé et le pignon aussi. Parfois. Ah, t'as vu ça, la pierre m'a monté l'essieu et je suis parti direct de l'autre sens. Ah, trop de voir. Trop de voir, mais je l'ai pas vu. C'est pas le trop de voir, c'est le trop de pas vu. Ah là, c'est plus doux. Ah là, ça va. Là, ça va souder de la lipo avec les rallyes. Ah, je peux pas te redresser. Et c'est sur la voie publique. Oh mon Dieu, vite, il faut dénoncer la vidéo. Il y a le plumeau RC qui va m'attaquer tout de suite. Il va faire le coupé-coller de la vidéo. Il est sur la voie publique. Il faut tous aller lui mettre un like et signaler la vidéo, vite. Ça, c'était la meilleure, ouais. Et après, il allait planter la FG dans une jante de bagnole. Ah, le S là il est rigolo, wow. Là on a de quoi faire une belle trajectoire, hein, avec j'étais encore un peu trop court. Je sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on a peur de taper le trottoir du fond. On voit mieux le trottoir. Oh, toi, ouais. Moi, pas encore. Ah si, quoique, t'as raison. Waouh, joli! Attends, c'est chepeau! T'es qui? Poubelle! Poubelle, trottoir, poteau, réglé. Lui, laissez le saut sur le toit. Bon, sur la carreau, ça va, tu sais que tu passes au-dessus. Ah, mais celui-là, il est cool, là, quand t'arrives par là.
Eh, maintenant je vais plus crier. Eh, d'habitude je criais yiha. Maintenant je vais crier yihong. Oh, ça. Il y a un galet tout rond en plein milieu. J'ai accéléré, je l'ai tapé au moment d'accélérer. Mais c'était méga chandelle. Ah, l'autre il me massacre, je vais y aller. Aou! Je sais que je veux une nouvelle carreau, mais quand même. Aïe, salaud! Ouais, quand on sera venu quelquefois, les gros cailloux ils seront dégagés. Ouais, non, j'ai pas dit les rochers, j'ai dit les cailloux. Ah, il y a peut-être des petits vieux qui vont râler chez Lidl. Eh, il y a des cailloux sur le parking. T'inquiète pas, avec les GT, on va nettoyer le parking nous. Ah, je t'ai envoyé un gravier. Faut que je trim un petit peu. Alors, le trim. Hop. Pff, ouais, là-bas, faudra qu'on se mette des repères. Hein. T'aurais pu mettre un peu du tien là. Hein. C'est quoi cette affaire? Je le promène. Ah, j'ai une pierre quelque part. Raté. C'est la vengeance pour avant. Oh. Ah, fais attention, il y a un panneau couché là-bas encore. Ha 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 ha!
Trottoir. Oh, ça c'était chaud. Attention, il y a un panneau couché par terre là-bas. Ah, ce serait vraiment bien qu'ils laissent ça comme c'est là. Hein. Ouais, mais on fait une belle piste de rallye. Ouais, mais je pense qu'ils vont. Ce soit un paysan qui va le prendre pour faire 2 mètres carrés de foin. Oh, ça c'était de lévitation ça. Ah la vache, t'as pris le petit rebord là que t'as tourné. Sinon là c'était découpé de coupirte, hein. On a coupirte. Oh ça va. Il n'y a pas besoin d'AVC, TSM, truc muche-bidule là. Ah, c'est sûr, après dans l'herbe sèche, quand ça accroche, t'es mort. Ouf. T'as aussi chat atterrir, t'as. Oh, comme ça, comme je suis en train de poncer les pneus là. Il faut que j'use mes pneus arrière, comme ça, quand j'irai dans l'herbe, ça glissera et je leur dirai rien. Je roulerai juste avec deux slicks à l'arrière. Je dirais, tu vois, par rapport au Bajaré et compagnie. Non mais t'as vu, même sur les mouillards, hein, ça marchait bien. Hein. Dès que tu mets deux pneus poncés à l'arrière, c'est top. Déjà, pêche aux coupures. Ouais. Ça, salaud. Ça, jamais tu faisais ça avec le UDR, il était mort avant. C'est pas non plus un moyen full bash, mais tu as un juste milieu quoi. Hein? La UDR était beau, mais là maintenant tu peux plus que le choper avec le kit LED. Ah là ça descend. C'est bon. Tu peux que l'avoir avec le kit LED à 850 boules, ils ont siphonné. Là je préfère investir dans un sledge. Bah à fond. Ah c'est bon. J'avais pas juste si c'était partout que je pouvais passer, tu vois. J'ai juste arrivé au seul endroit où il y a un trou devant le trottoir. On va essayer par là. On va y aller d'abord doucement. Ouais, c'est bon. Ouais, mais croix, ça suffit pas. Ouais, c'est clair. Un sledge, oui, croix, ça suffit. C'est le moment de poser la petite caméra en face pour faire le. Ouais, c'est ça. Bah, dès qu'il va faire beau, là, il faut que je sorte le gimbal et le truc, hein, c'est sûr. Parce qu'on va pouvoir faire des beaux trucs. Hein. Tu vois, juste en douceur, là, tu vois. Voilà, c'était peut-être pas trop en douceur, mais... Quelque chose qui saute un peu moins, quoi. Ah, c'était mort dans le sable. Ouais, t'as été aussi. Ça c'était beau, juste bien récupéré. Regarde ça, les virages tu peux prendre à donf comme ça. Encore plus doucement alors. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Il a fallu une centaine d'essais, mais on a réussi à faire un. Bon après, comme dit, hein, là j'espère ils vont le faire. Ils se sont penchés dessus quand même, hein, ils nous prennent au sérieux. Hein, pour le cache de la transmis au milieu. Hein. Pour le qui ferme tout, ouais. Mais ils savent pas encore si on le fait à niveau coût, le coût de fabrication. Mais je dis, ouais, mais d'un autre côté, après, t'es vraiment tu vois là, il y a tout qui est mieux que chez les autres, pas juste un petit bout, tu vois, Nix TSM AVC truc, mais il y a Xmax qui traîne au milieu, ouais, plus t'es dans le noir, noir sur noir. Je te range, hop. Bah, là j'ai mis les Ovonic 3S 6005 là. Combien 3005 6005. Ah. J'ai vu peut-être 3005 qui dure aussi longtemps. Ouais mais tu vois j'ai un moteur qui prend pas de tour, qui a assez de couple. Ouais. Elle se donne pas mal. T'as une bonne autonomie. Ouais.
Et puis tu vois, t'as le Max, t'as le Hobbing Max 8 avec toutes les fonctions dessus, t'as un cerveau 1/6. Ouais, parce qu'on peut pas dire j'y vais mollo là. Ça va pas tarder à couper, je pense. Mais... Tu sais que par rapport au DXF, les Hobonix, je les ai reçus, elles avaient déjà que entre 3 et 5 milliohms par cellule. Toutes les cellules pareilles, entre 3 et 5. Enfin, parce que Onyx 20, 30, 27, 5, 10. Ah, du délire, hein. Sur le DXF, ouais. Après, je sais pas si c'est à cause du graphisme ou quoi, mais. Et là, au bout de. Il y a une paire de DXF et son troisième run là, ça descend au shot 10. Les autres sont encore à 15-20. Sérieux? Hein? Alors que les Ovonix c'était à 3 à 5 et là, j'ai mis sur chargeur l'autre fois en rentrant, deux partout. Non, moi, sur les au deuxième pack déjà. 4, 6. Sur les 10 paires, j'en ai tué une. Oh, même pas un an. Bon, une sur 10. Juste une cellule quoi. Mais t'as acheté 10 paires d'Ovonix, de DXF? J'ai dû en acheter 8 pour rien que le Camtar déjà. Ah bah oui. Faire deux runs de Camtar. Hein. Ça fait du lipo, hein. Ah, à fond, hein. Ouais, bon, en même temps, ça fait la matinée, quoi. Ah oui, bah oui, après, ouais, c'est clair que... On a peut-être abusé un peu sur le rapport autonomie-puissance, hein. Bah, c'est un camion, hein. Mais la fois, c'était quoi, 40 minutes et... T'as changé deux fois, peut-être. Et encore, j'avais pas... J'étais pas en grosse coupure à la fin, quoi. J'étais juste un peu plus mou. Ouais, il y a moyen de faire des beaux trucs là. Ah, c'est sûr, un terrain comme ça, c'est cool. Ouais, mais regarde, c'est possible de regarder évoluer. Ah, ouais, c'est moyen avec un terrain comme ça, on fait les cochons aussi. Hein. Ah, je dis pas, mais c'est pas aussi joli. Après, ce qui est bien, tu vois, le Asuga, j'ai roulé cette semaine là, comme il y a en 4S, c'était un petit 60. Et en 6S, c'était peut-être à 75. Mais du coup, ils ont pas fait comme les autres, ils ont pas exagéré. Là, ils ont préféré voir vers la baisse que de voir les gens cramer les moulins. Quoi. Parce que là, même en 4S, au bout de, il faisait quoi, 15-20 degrés dehors. Au bout d'un quart d'heure, le moteur était quand même à 60 à peu près déjà. Bah après, s'il reste stable, c'est bon, tu vois. Ouais, c'est bon. Souvent, il monte en température, après, il augmente pas. Il y a un truc quelque part. Hein. Dégage. Ah, ça y est. J'avais un caillou dans la chaussure. Je me suis rendu à la pièce complètement usinée. Le pont, il va se couper en deux dans deux minutes. Voilà, faut qu'on fasse.